السلام عليكم. بدي في حل اختبار مادة اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي. قبل ما نبدأ في الحل ما تنساوش باش ديروا لنا اشتراك. بدي قراءة النص. لا جيراف اي ان انيمال سوفاج. الزرافة هي حيوان بري متوحش. انيمال حيوان سوفاج هي بري. Elle vit dans la forêt. تعيش في الغابة. Elle vit sur le verbe vivre. تعيش dans la forêt هي الغابة. Elle est herbivore. هي من أكلات الأعشاب. Herbivore مشتقة من كلمة herb الأعشاب. C'est la dérivée تاع الكلمة herb. Herbivore هي من أكلات الأعشاب. كما نقولوا كارنيفور هي من أكلات اللحوم. هربيفور من أكلات الأعشاب. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Se nourrir, c'est un verbe pronominal se nourrir au deuxième groupe. Elle se conjugue au présent. De plantes, elle n'abête et de feuilles d'arbres. Elle aura l'ashjar. Feuilles, aura d'arbres, l'ashjar. De plantes, elle n'abête. La girafe a un long cou. La zarafa l'a un tawil. Un cou, c'est un nom masculin. Un long adjectif masculin. Il y a plus qu'un nom masculin, il y a un adjectif masculin. L'adjectif, l'ijimaji masculin. Quand on a un nom féminin, l'adjectif l'ijimaji féminin. Tu l'as une langue. U ou E. Puisqu'un a masculin, l'adjectif l'ijima masculin. Et deux langues pattes. Aouden qui m'a pattes, c'est un nom féminin. Ou l'adjectif aouden l'ima féminin. U, E, S. Même que la prononciation, ça se diffère par rapport à un adjectif masculin. Là qui connaît un adjectif masculin, goulou un long. Prononciation un long. Puis qu'on a un nom féminin, goulou une langue. Patte. Sa peau est de pleine tache noire. Jildouha Meli A est de pleine. Mumteli A est de pleine. Non, sa peau. Elle est, c'est un nom féminin. L'adjectif l'ijim'a, pleine, mumteli'a, j'ai féminin, mu'anneth. Tache noire. Tache noire, adan noir, c'est un adjectif de couleur. Là, on le sujet tiens, non? Allez, la girafe est un animal sauvage. Hayawan berri, sauvage, c'est le contraire, c'est domestique. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore, elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. Nas, compréhension de l'écrit. Ferme nas, compréhension, il y a ferme. De l'écrit, nas, c'est concernant la girafe. Et pas de la girafe. De quoi se nourrit la girafe? Min mada ya tagadda al-zarafa. Tagadda al-zarafa. De quoi? Min mada. Se nourrit tagadda al-zarafa. On a repris le texte, on chauffe min mada tagadda al-zarafa. On chauffe sur le verbe tagadda nourrir le texte. La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt, elle est herbivore. Elle se nourrit. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Elle, elle dit, c'est un pronom personnel, elle remplace la girafe. Non, se nourrit, elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. C'est-à-dire d'amine nabat ou aurak l'ashjar. Comment est sa peau? Kayfa huwa? Kayfa hiya jilduha? Ruhu le texte ou njibdo la peau tiana, comment elle est? La peau tiana, la zarafa, comment elle est? La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. Sa peau est pleine de taches noires. Maintenant,
sa peau est de pleines taches noires. يعني جلدها ممتلئ بالبقع السوداء هذه هنايا الزرافه الجلد تاعها ممتلئ بالبقع السوداء هي الميزه تاع الزرافه هي النكو تاعها يجي طويل لي بات تاعها طوال وعندها الجلد تاعها ممتلئ ب لي بوين نوار كل حيوان وعنده لي كاركتيرستيك تاعه لي مميزات لي لتوصف الحيوان هنا réponds par vrai ou faux اجب بصحيح او خطا لا جيراف في دون لو ديزير هنا نروحو للتكست تاعنا للنص ونشوفو اين تعيش الزرافه اسكو تعيش دون لو ديزير دون لا فوري دون اون سافان هنا نروحو للتكست ونقراو elle vit dans la forêt هنا في النص هنا قالنا تعيشوا في الغابة وهما قالوا لنا هنا لا جيراف في دون لو ديزير اي فو خطا هنا الزرافة تعيش في الصحراء خطا احنا مشينا النص قلناها دون لا فوري الي كارنيفور هي من اكلات اللحوم نروحوا للتكست نشوفوا اسكو الي هيربيفور ولا كارنيفور هاي ديال هنا التكست الي هيربيفور نروحوا هنايا نديروا فو عطاونا الي كارنيفور فو نروحو لتروازيام كيستيون سولين لو كومبليمون دو ليو هنا سطر على ظرف المكان لو كومبليمون هو الظرف لو ليو هو المكان نقراو لا فراز لا جيراف في دون لا فوري هنا كيش نعرفو ظرف مكان لو كومبليمون دو ليو نوبوزيو لا كيستيون او في لا جيراف اين تعيش الزرافة باش باش نجبدو لو كومبليمون دو ليو نطرحو السؤال اين او لا جيراف في دون لا فوري ولا نعرفو لو كومبليمون دو ليو نعرفو ب لي بروبوزيسيون ا ولا او il va au marché il va où au marché au marché c'est un complément de lieu l'angulo il va à l'école il va où à l'école à l'école c'est un complément de lieu l'école c'est un complément de lieu on a repris la question 4 complément complète la conjugaison akmil asaf elle se nourrit هنا عطاونا لو فيرب نورير دوزيام جروب كونجوغي او بريزون سنورير سي ان فيرب برونومينال سي ان فيرب برونومينال او دوزيام جروب هنا كومون كونجوغي لو فيرب برونومينال او دوزيام جروب لو فيرب سنورير هنا عطاونا ال افيك لو برونو بيرسونيل ال تروازيام بيرسون سينغولير هنا عطاونا جو تو C'est première personne du singulier, tu, c'est deuxième personne au singulier. Qui va se nourrir avec ses pronoms personnels. Je et tu, avec la première personne et la deuxième personne du singulier. Je me nourris. Ce, tu lis me avec je et is à la fin, en terminaison. Tu, avec deuxième personne du singulier, tu lis te nourris, is, avec IS à la fin. Maintenant, j'ai peut-être comme il y a les autres pronoms personnels avec nous, vous, il, comment on conjugue le verbe nourrir au présent, le pronominal, le verbe se nourrir au pronominal au présent. Nous, nous nourrissons. I2S en NS. Vous, vous nourrissez. I2S, EZ. Ils nourrissent. Maintenant, troisième personne au pluriel. Ils nourrissent. I2S en NT. Il nourrit, troisième personne, au singulier, ou et au masculin. Il a elle au féminin, ou elle au masculin. Masculin, modaka. Ou elle a elle, mouennet. Puisque la girafe, elle a appelé mouennet, il y a mouennet. On emploie le pronom personnel féminin. Il y a mouennet, parce qu'on a oublié mouennet. Là, elle dit là. Qui nous désigne que la girafe est un féminin. Quand il y a le, qui m'a voulu le singe ou le lion, le lion, c'est un nom masculin.
On passe à la cinquième question. Écrit à la forme négative. Uktub ila sira al-manfiyya. Attends, on a une phrase affirmative. La girafe est un animal domestique. Al-zarafa hiya hayawan alifi. Maintenant, ننفيو هذه الجملة هذه باش ننفيو هذه الجملة أول حاجة اللي نديروها خصنا ندخلو نو اي با على الجملة وين ندخلو نو اي با ندخلوها أول حاجة اللي نديروها نحوسو على لو فيرب تاعنا وين راه نجبدو لو فيرب كي نجبدو لو فيرب نحصرو لو فيرب ما بين نو اي با لو فيرب تاعنا هنا في لابلاج وين راه لا جيراف اي ان انيمال اي هو لو فيرب هو سيت ان اوكسيليير qui m'a auxiliaire avoir, c'est un auxiliaire être. C'est le verbe être et en même temps c'est un verbe d'état. Verbe d'état et maintenant ou faire le hal. Il y a de nous à le hal. C'est un homme ou un chars ou là. Aïe hal et il y a de nous à aïe hal. Qu'est-ce qu'il y a? Qui m'a dit la girafe hal est la girafe. La girafe est un حيوان آلفي كيف هو هو حيوان آلفي لا جيراف هنا نجبدنا لو فيرب هذا اي وهذا لو فيرب نحصروه ما بين نو اي با نو نديروه على لا غوش و با على لا دروات توجور كي يقولونا اكري على فورم نيجاتيف حاجه الاولى اللي نديروها نجبدو لو فيرب نردو لو فيرب وما بين لو فيرب نحطو نو اي با لو فيرب نديرو في الوسط ونحصروه ما بين نو اي با هنا بويسك عندنا نو هذه هي النو تاعنا بويسك هنا نو عندنا ان فوايال او وهنا لو فيرب تاعنا يبدي بلو فوايال او حنا نقلعو لو فوايال هذا او نقلعوه تاع لو نو نقلعوه ونعوضوه ب لابوستروف هذه لما نجيبوش نكتبو نو و زوج مع بعض قلنا او تاع لا نيغاسيون او وعوضنا ب ابوستروف هاد خليو غير فوايل واحد الجيراف ني با ان انيمال دوميستيك الزرافة ليس حيوان آلفي هو حيوان بري سي ان انيمال سوفاج برودكسيون اكري اكري ان باراغراف دو 4 ا 5 فراز بور ديكريغ ليليفون اكتب فقرة لخمسة أربعة أسطر لتصفة pour décrire sur le verbe décrire لتصفة الفيل اتوا دو تكست دو ديسان ساعد نفسك من النص والرسم هو يقولك ساعد من النص شوف هذا النص هذا اللي طالع هنا من هذا والرسم يوم نكتبو الباراغراف تاعنا On a estimé la troisième personne du singulier et la ponctuation. On a la troisième personne du singulier, ou il. Éléphant, puisque est un masculin, le pronom personnel est remplacé. L'éléphant, c'est il. On a goulou l'éléphant. On a estimé bin nas. On a saura, on a estimé bin nas. Nagaluna la girafe est un animal sauvage. Alors je dis l'éléphant, même l'éléphant est un animal sauvage. Hayawan tiawa hayawan wahshi. Ya ishu fil raba. Nerdu hadi ngulu l'éléphant est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Hadi phrase loula fil naha. Wen rouha aoud. Il se nourrit. Il se nourrit, l'éléphant, il se nourrit de quoi? Min mada yataghadda al-fil. Tahwa yataghadda min al-nabat wa min awraq al-ashjar. Rouhou lan-nas, nchoufou la girafe. Min mada yataghadda. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Puisqu'elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres, elle est herbivore. Elle n'est pas carnivore. Rien que dire au tiana, l'éléphant est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore. Il est, هنا هذه il, نديروها نديرو il, puisque l'éléphant est masculin, نديرو il est herbivore. Il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbre. هنا la girafe, elle est masculin, ou l'éléphant,
La girafe, elle est féminin. La girafe. Ou la girafe, qui est le pronom personnel qui lie à la girafe, il y a elle. Ou on a elle, se nourrit. Ou l'éléphant, c'est masculin. On a elle, on dit l'éléphant. Masculin. Ou on a elle, on a il. Ou on a elle, on a il. Puisqu'elle est, l'éléphant, elle est masculin. هل الفقرة الأولى هذه غير كما لا جيراف وش هو نعاودو لا جيراف نقلعو لا جيراف ونديرو ليليفون ليليفون بويسك هي ماسكولا نقلعو ال ال ونغومبلاسيوها بالإيل وهنا نقلعو ال ال ونغومبلاسيوها بالإيل الفقرة الأولى غير كما لاخر غير نبدلو غير هنا ال ال نردوها إيل نزيدو نكملو دروك ندخلو في هنا كومون ديكخيغ ليليفون هنا لا جيراف ال أ لون كو et de longues pattes. Sa peau est de pleine de taches noires. La phrase a dit, la description de la girafe. Sefat de la girafe. Donc, on a dit que le sefat de la fille. Qu'est-ce que c'est pour la fille? On a dit que la sora est là. On a dit que la sora, on a dit une phrase qui est pour la fille. L'éléphant a des défenses. Anda zouj nyeb. Elle fit lahou en nyeb. A des défenses. Wenan dido. Il a une longue trompe. Walahou khorto mon tawi. Il a une longue trompe. Trompe wahad l'enf tawi. L'enf c'est un nom. Trompe. Une langue, c'est un adjectif. Une langue trompe. Adjectif. Mais un nom. Donc, on a un nom. Elle file. Ou bien, on a un fil. Il faut qu'on ait un nom et un adjectif. On a un des oreilles. Dirons, il a de grandes oreilles. Il a de grandes oreilles. Et oreille, c'est un nom. Féminin, puisqu'on a deux L, c'est tout le féminin, ou donner une homme, elle est au féminin, puisqu'on a double L. J'ai l'adjectif au féminin, de grande oreille. Quand on a masculin, on dit que le E, non. De grande oreille. Il a de grandes pattes. Elle a des pattes, elle est au féminin, plus elle a deux T, ES, elle est féminin, l'adjectif Taha, il est au féminin. Il a de grandes pattes. Alors, dans le paragraphe Tsakum, elle est se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres, un point. Sa peau est pleine de taches noires, un point. La girafe vit dans le désert, faux, une demi-point. Elle est carnivore, faux, une demi-point. La girafe vit dans la forêt, une demi-point. Complément circonstanciel du lieu. Je me nourris, un point. Tu te nourris, un point. La girafe n'est pas un animal domestique. Et la négation plus l'accent A. Une demi-point. Maintenant, il y a le paragraphe. L'éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Quelqu'un a utilisé, emploie le pronom personnel troisième. Pronom personnel, haouda il. Il, elle remplace l'éléphant. Maintenant, puisque l'éléphant, elle est masculin, il, le pronom personnel, j'ai masculin. Haouda il, emploie le pronom personnel, il, haouda, troisième singulier, elle est herbivore, il se nourrit de plantes et de fer d'arbre. Elle dit la phrase, elle dit, la phrase à la girafe. Voici la différence binaire. La girafe, c'est un féminin et l'éléphant, c'est un masculin. C'est ça la différence entre la girafe et l'éléphant. L'éléphant a des défenses, la roue en yed, une longue trompe, hein, de grandes oreilles et de grandes pattes. وهذا هو الحل تاعكم والله لكم بالتوفيق والنجاح وما تنسوش باش ديرونا الاشتراك